Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je me fais une nouvelle session dans l'étang de la Borde, donc sur la commune de Margon. Un magnifique étang dans lequel je suis venu là faire une petite session il y a environ une quinzaine de jours, trois semaines à peu près, où j'avais fait décoller deux magnifiques poissons. Malheureusement, j'avais dû partir précipitamment parce que le temps avait changé et la pluie s'était invitée. Donc aujourd'hui, j'ai de la chance, ça va être que du soleil et un gros soleil toute la journée. Par contre, avec des températures un petit peu plus chaudes puisqu'on va monter à 25 degrés. Donc, je ne suis pas arrivé très tôt. Je viens tout juste de poser mes lignes à l'eau. Il est 10h. Donc normalement, c'est vrai que quand je viens ici, c'est plutôt aux alentours de 7h30, 8h. Allez, la dernière fois, c'est vrai que je suis venu, il était 9h, 9h30. Bon, là, il est 10h en tout cas. Ça fait peut-être un peu tard pour commencer une session, mais bon, sait-on jamais. Sur un coup de chance ou un malentendu, ça peut fonctionner. Je vais pêcher comme la semaine dernière, donc avec les bouillettes mix Bresson Spicy Red. Donc je viens de faire un bel amorçage, donc à lancer à l'ice bomb avec beaucoup de pellets trempés dans le deep, donc mix Bresson. Plus quelques bouillettes, donc 3 ou 4 S-bandes de bouillettes, histoire de vraiment mettre des bouillettes un petit peu partout autour de mes appâts. Bon, en tout cas, c'est à l'eau, c'est prêt à pêcher. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller m'asseoir et attendre le poisson. Et pour vous, il vous reste plus qu'à faire les petites likes qui vont bien, vous abonner, et puis c'est parti, let's go! Les amis, je trouve que c'est bien timide comme départ pour un si gros poisson au bout. À mon avis, elle était piquée, mais elle continuait à tourner autour de l'appât. Ça a l'air bien joli sous ça. Vraiment des tout petits bips, vraiment. Il y a poisson, il y a poisson. Bon voilà mes amis, le premier poisson de la session. Voilà le beau bébé. Un joli poisson. Alors plus d'une dizaine de kilos, je ne sais pas exactement combien. Voilà, 43 minutes après avoir déposé ma ligne. Et voilà, elle est venue me rendre visite. Ça fait hyper plaisir. Franchement, les bips n'étaient pas violents, hein. Ça fait 2-3 bips. Elle a hâte de retourner à l'eau et je la comprends. Et une dernière fois, voilà mes amis. Joli poisson. Bon, allez, on la remet à l'eau de suite. Et puis c'est parti, on y retourne. Hey, et d'une. Bon ben voilà, déjà 43 minutes après être arrivé, premier poisson. Vraiment pas mal. Bon par contre je me suis craqué quand j'ai relancé la ligne. Je l'ai lancé, je suis passé par-dessus l'autre, j'ai ramené l'autre ligne, enfin ça a été une galère pas possible. Du coup je viens de rejeter mes deux lignes au même endroit. J'ai remis à peu près une quinzaine de S-bombes dessus avec de la bouillette et du pelet. Histoire que
parce que s'il y a une grosse carpe qui est passée, qui a mordu, il y a certainement d'autres grosses carpes qui ont dû passer en même temps, donc ça a dû rafler un petit peu tout ce qu'il y avait au fond. Donc j'ai refait un petit rappel, on va dire, ou un gros rappel, histoire d'être sûr que le poisson revienne assez rapidement sur le coup et de pouvoir en reprendre une. Donc les lignes repêchent à nouveau, il n'y a plus qu'à attendre le poisson et puis c'est parti comme d'habitude, on attend. Oh les amis, ce départ! Ouh. Oh la violence! Je m'y attendais pas là, j'étais assis limite à m'endormir. Oh, je m'y attendais tellement pas celui-là. Oh les amis, je m'y attendais tellement pas. Ah, c'est un truc de fou. J'étais limite en train de m'endormir sur le siège quand j'ai eu ce départ. Génial. Allez, je la pose de suite et on va la regarder. Oh. Bon alors, ce joli poisson. Ouh. Je peux vous dire que ça fait bizarre quand tu es à la limite de t'assoupir sur un siège et que tu as d'un coup un départ comme ça. Alors contrairement à tout à l'heure où ça a pas du tout, quasiment pas du tout bipé, ça a fait juste deux bips et puis terminé. Alors là, celle-là, on peut dire qu'elle a déroulé comme il faut. Elle est beaucoup plus petite, hein, enfin beaucoup. Elle est plus petite que tout à l'heure. Voilà mes amis, magnifique poisson. Très très joli. Ouh. Je peux vous dire que là, ça fait plaisir. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Superbe couleur. Ouh. Allez, on va la soigner, je pense, un petit peu, parce que je vois qu'elle a des blessures de frais. Puis on va la remettre à l'eau. Et je vous montre l'autre côté. Hop. Elle est un petit peu crispée celle-là. Hop, je vous montre l'autre côté. Et voilà. Voilà mes amis. Superbe. Ah, super poisson. Vraiment magnifique. Et c'est emballé les amis. Et la troisième. Et voilà le troisième poisson pris à l'instant, vraiment magnifique. Plus grosse que la deuxième. À peu près le même poids, je dirais, que la première. Ah, superbe, vraiment superbe poisson. Qui a fait encore une magnifique déroule. ça fait plaisir. J'ai vite rejeté ma ligne et tenté encore le quatrième. Bon, je suis content par rapport à la session que j'ai pu faire il y a plus de 15 jours où j'avais sorti deux poissons dans cet étang. Ben là, je me sors un troisième. Déjà, ça me fait plaisir. Il manquerait que j'en sorte 4 ou 5 et puis je serai aux anges. Voilà. Bon, allez, on prend 2-3 photos et puis on la remet à l'eau.
Bon ben voilà, trois belles miroirs pour le moment. Alors j'aurais bien aimé voulu prendre une petite coco, ça aurait été sympa. Donc là pour l'instant j'y suis encore, hein, j'ai largement le temps, il est 13h. Donc je suis arrivé, j'ai commencé à pêcher, il était 10h, il est 13h. Donc en 4h, 3 poissons, pas trop à se plaindre je pense. Donc bon après l'étang je commence à le connaître un petit peu. Même s'il est très grand, hein, il fait 17 hectares, mais malgré la taille qu'il fait, une fois que tu as compris à peu près où te positionner, la distance, le type d'amorçage et de bouillette qu'il faut, ça devient, je vais pas dire facile, hein, parce que ça serait mentir, mais je pense que c'est un étang où tout le monde peut réussir à sortir son épingle du jeu sans problème. Sans problème. Ben dis donc, on se couche. Donc là j'ai encore, aujourd'hui de toute façon j'avais mis deux lignes à la Spicy Red, donc bouillette épicée Robin Red, hein. Ça marche très très bien, donc j'avais mis des bouillettes enrobées, et j'ai commencé ma session en mettant je crois 5-6 S-bombes de pelet, 3-4 S-bombes de bouillettes par dessus. Là je fais un rappel à chaque fois, donc dès que je sors une carpe je refais un rappel avec 2 S-bombes de pelet et 2 S-bombes de bouillettes. Que je me dis qu'elle doit quand même bien se balader en banc, donc j'aime autant bien réamorcer dessus pour être sûr. Et là ce qui me manque maintenant c'est une coco. Il ne manquerait plus qu'à attraper une belle commune là bien puissante. Ça serait vraiment fandard. Et ce qui est marrant là dans l'histoire c'est que la première carpe que j'ai pris, le swinger il a juste fait bip, bip, puis plus rien. Bon, par principe, comme je voyais le bout de la canne qui faisait des petits remous comme ça, je me suis dit bon allez, je prends en main, et effectivement il y avait la carpe. Les deux autres, l'avantage c'est qu'elles ont vraiment déroulé comme il faut, quoi. Qu'est-ce que je kiffe ça quand ça part et que ça déroule. Il y a des fois t'as presque envie de laisser ta canne sonner tellement c'est un plaisir fou, quoi. Donc vraiment super, je suis assez content. Donc je pense que je vais essayer de prendre 4 fiches ou 5 grand maximum, et après je rentre. Je me dis, pas besoin d'aller rester toute la journée jusqu'à ce soir et essayer d'en faire 8, 9, 10, ça me sert à rien du tout. Encore deux et puis une ou deux et puis je rentre. Donc là, il est 13h, ça va me faire rentrer, voir si j'en prends une. Parce que là, ça, en gros, j'en ai pris une, quasiment une toutes les heures, quoi, ou un peu moins d'une heure à chaque fois. Donc si j'arrive à en sortir une dans l'heure qui arrive ou l'heure d'après, voilà, ça va être nickel. Ça va être nickel. Donc voilà les amis, bon allez on replace la caméra pour rien louper. Et puis j'espère quand même avoir, je croise les doigts, avoir une belle commune cette fois-ci. Hé, la quatrième. La ligne que je viens de remettre à l'eau qui repart 5 minutes après, quoi, là. 5 minutes après les amis. Et de 4. J'étais en train, je venais tout juste de vous parler en disant j'essaie d'en prendre une quatrième ou une cinquième et après j'y vais. J'ai à peine arrêté la caméra que départ. Ça faisait même pas 5-6 minutes que la ligne était à l'eau. Et déroule sur ce magnifique spécimen. Ouh, la plus grosse pour l'instant de cette session. Voilà. Vraiment super poisson, vraiment magnifique, des très belles couleurs encore une fois. Ah, je peux vous dire que ça fait plaisir. Oh la vache, super poisson. Allez, une photo ou deux, pareil, on relâche ça. Alors, du coup, on va attendre pour la cinquième. Hein. Yep. Attends, c'est l'autre côté, ma belle, c'est par là. Allez.
Hey, je viens de la reposer. Oh les amis. Et de 5. Oh ce sport. Enfin une commune, yes. Oh mes amis, ce poisson, je l'attendais depuis ce matin, une belle commune, belle grosse commune. Et ça y est, je l'ai. Voilà mes amis, magnifique, un fiche vraiment splendide, qui a fait un départ de Dieu. Oh le top, yes. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Vraiment superbe. Allez, je vous la remonte encore une fois. Si elle veut bien arrêter de bouger. Oh là là, c'est magnifique poisson dans cet étang. Voilà. Magnifique étang fédéral, mais qui a un potentiel au niveau des poissons. Mais... Oh, superbe. Oh, superbe. Allez, je prends les photos, je relance la ligne. Ça faisait même pas 5 minutes les amis, ça fait deux fois là où je rejette la ligne à peine posée, 5 minutes, bam, déroule. Oh, le poisson est là, le banc de poisson, ça y est, il est là, il est sur l'amorçage, là je suis euphorique, superbe. Ouh. Bah celle-là, elle part direct à gauche. Et c'est emballé. Ouh. Bon ben voilà, la sixième haute, la sixième dans le triangle, superbe. Bon, je vais la détacher, je vais vous la montrer. Du coup, j'hésite vraiment à partir parce que je me dis que bah, ça déroule bien quand même. Hein. Les lignes, je viens encore une fois de la remettre à l'eau. Et... Alors sur la ligne de gauche, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait aucun départ depuis tout à l'heure. Enfin maintenant, j'ai compris. En fait, j'avais plus de bouillettes. Donc il n'y avait que la ligne de droite, à chaque fois qu'elle retombait à l'eau, bam, départ. Mais en fin de compte, du coup, j'ai ramené celle de gauche et là, j'ai vu qu'il n'y avait plus de bouillettes, donc c'est logique. Du coup, je la décroche, je la mets dans le tapis, on se regarde ça, on la relance une dernière fois et après, ça sera la dernière. Allez, à de suite, les amis. Bon, les amis, sixième poisson pour cette session. Sixième poisson. Donc là, ça va être ma cinquième miroir. Vraiment magnifique. Oh voilà, mes amis. Encore un splendide poisson qui a fait un superbe départ, vraiment magnifique. Là, j'aime bien quand ça déroule à fond comme ça, c'est top. Voilà, superbe, vraiment magnifique. Thank you.
emballé. Ouh. Ça, c'est du sport. Allez, c'est la dernière de la session. Bon, voilà, ça sera le dernier fiche de la session, là, parce que ça doit être le 7e poisson, si je me trompe pas. Bon, allez, on la sort, je vous la montre. Et après, on se fait cette petite conclusion. Bon, voilà les pêcheurs. Donc, 7e poisson de la session. Ça fait super plaisir. Donc, 7e et dernier, je vais arrêter là. Pourtant, il est pas tard. Hein. Je vous avouerai qu'il est vraiment pas tard du tout. J'ai pas mon téléphone, je sais pas où je l'ai mis. Il doit être à tout casser 15h. Je suis là depuis 10h ce matin. 7 poissons. 7 magnifiques poissons. Voilà. Voilà le beau bébé. Superbe, vraiment magnifique. Qui a fait encore un joli combat et une super déroule au départ. Voilà, vraiment superbe. Allez. Bon, voilà les amis. Bon, en tout cas, je vous remercie tous, comme d'habitude, d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à liker la petite vidéo si elle vous a plu, à laisser des commentaires, à vous abonner pour tous ceux qui ne le sont pas. Et puis moi, du coup, je vous dis, dès qu'elle aura fini de m'éclabousser, à la prochaine session.